caverne. Oui, j'ai une caverne. D'accord. Ah, ça commence à remonter. Ouf. Bravo. Bon, ces belles petites plantes dangereuses fournissent de l'oxygène. Et du sodium. Faire le plein d'oxygène et de sodium avec les plantes dangereuses. Ah, j'ai pas de lumière. Ah, peut-être. Ah, ok. Peut-être voir si. Non, ça ici. Voilà. Un petit peu d'éclairage. Oh! On va récolter tout ce qu'on est capable. Sûr que le multi-outil de départ est pas terrible, mais au moins ça fait ça fait l'essentiel. On va prendre du cobalt, ça peut toujours être utile pour plus tard. Qu'est-ce que ça donne? Pas beaucoup de sodium jusqu'à date, mais beaucoup d'oxygène. C'est bon. J'ai pas besoin. Les géodes. Ah, c'est pas le même. On va voir ce que ça donne les géodes. Ok. Du cobalt. Du dihydrogène. Ok. Poussière de ferrite. Donc les métaux, les gars, ça c'est pas terrible. De l'oxygène. Ah, du sodium. C'est toujours bon à prendre. Bon, ça du dihydrogène. Prendre un peu de carbone. On va analyser, on va se prendre des. On va prendre des unités autant qu'on est capable. Flore dangereuse, flore dangereuse. Ok. Ah, temps de surface. Ah, on peut ressortir ici. On va rester à l'abri. On prend l'autre sortie. Ah, sodium. Carbone et soufre. Il y a soufre. Ça veut dire grand chose, c'est pas si.
Ok. Ah, si je peux. Oxygène encore. Sodium. On va bientôt sortir. Non, c'est les perles de bulles. On va les vendre, ça va faire un petit peu de revenus. Voilà. Toujours bon après. Bon. Est-ce qu'on est encore bien loin? On approche. Ah, ok. Un abri. Oh, ok, je les ai déjà scannés. Ok, personne. J'enregistre un message au cas où abandonne dans le créateur pourrait être utile. Visière endommagée. Vaisseau introuvable. Récupérer le matériel. Le journal se termine et la machine s'allume en ronronnant et crachant du matériel. J'ai désormais le sceau hermétique dont j'ai besoin pour réparer mon vaisseau. Celui qui m'a mené ici, qui m'a laissé ce message, s'était peut-être retrouvé dans la même situation que moi. Bon, le sceau hermétique. Analyser les objets pour avoir des récompenses. Ah. Machine endommagée. Oh, un module de système de survie. Ça va être pratique, ça. On va l'installer tout de suite. Voilà. Ça va me donner 30% et système de survie, le réservoir de système de survie plus 50%. Donc il va se décharger moins rapidement. Oxygène. Voilà. Donc, vous voulez que j'analyse pour avoir quelques récompenses. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ah, ok. Voilà. Bon, voilà que je retourne à mon vaisseau. Que j'y nourrisse. Ah, ok. Le petit bipède. Voilà. Le vaisseau est par là. On va pas tomber dans la crevasse. Donc, j'ai déjà récolté les ressources ici. La mêlée avance. On va y aller doucement. Je suis dans un système geek. Une petite forme de vie qui s'intéresse à genoux devant moi. Elle est fatiguée et blessée. Elle me tend la main en évitant mon regard.
accepter le savoir. Le nom Geck flotte devant mes yeux, tel un écho de l'étrange vision que je viens de vivre. Un mot issu de cette langue extraterrestre est gravé dans mon cerveau. Donc, je me suis éveillé dans un système Geck. Bon, c'est toujours bon. Tout est bon. De l'oxygène. Cuivre. Bon. Non, c'est tout le fait d'avoir mis de choses de survie, ça baisse un peu moins vite. Au vaisseau, puis on verra le bilan. Ok, pas de prédateur, c'est déjà bien. Ah, une perte de bumine. Bienvenue. Ah, j'ai une grotte juste ici. Donc, s'il y a beaucoup de perles de bumine, on va récolter un maximum. De l'oxygène, il y en a-tu quand du sodium? Encore de l'oxygène. Non, ça me prend toujours un petit peu de temps. Non, j'ai un saut hermétique. Voilà. Excusez, j'ai un petit chat à la gorge. Je l'ai dit à Redrevin, cette technologie est en état critique. De la ferrite pure. Continuez. Recommandation, réparer le moteur du vaisseau. Tout produit fabriqué. Essayez de prévenir des éléments récupérés, des substances raffinées avancées. Préparez les propulseurs de collage au lit d'hydrogène, c'est fait.
Préparer les propulseurs de décollage, ferrite pure. Matériaux avancés requis, ferrite pure. Quitter le vaisseau. Ben, où c'est qu'ils m'ont envoyé? Oh! Les raffineurs transforment? Ok, ça me prend un raffineur. Quand je faisais un raffineur, ça va me prendre une plaque métallique. Donc. Bon, je vais faire une plaque métallique. Donc, si je fais Z, 30 oxygène et une plaque métallique. Donc, E. Donc, je vais mettre. Du carbone. Donc j'ai besoin de ferrite, poussière de ferrite. On va faire la ferrite pure. On va le faire travailler. Ferrite pure, ferrite pure. Et voilà. Bon. Donc, en résumé, mon multi-outil, tout est réparé. Faudrait que je sois en mesure de faire ça. Ça va me prendre du métal chromatique. Une 3 nanotubes. Ok. Donc, je suis encore sans défense. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ferrite pure, encore 18. Du carbone. Ok. Donc si je prends le cobalt, cobalt ionisé. Pas besoin de cobalt ionisé pour l'instant. Qu'est-ce que j'avais qui traînait? Ah, métal rouillé. Voilà. Sur les ferritures. Récupérer la fin. Portative. Ah, bah, attends. On va attendre un petit 3 minutes et une fois que ça va être. Une fois que ça va être terminé, on va revenir. Bon. On récupère ça puis on décolle. Non, c'est presque terminé. Bon, on verra pour le reste tout à l'heure. Et bon. Voilà. Je vais récupérer mon carbone. Donc tous les systèmes sont fonctionnels. Cherchez des réponses parmi les étoiles. On décolle. Bon, ok. On est dans le système Euclide. On a 6 planètes. Geek. Donc, il vient de me dire. Il vient de me localiser. Et vu que je n'ai pas encore. Ah oui. En cœur galactique, je suis à 720 000 années-lumière. Vol orbital réussi. Tester les systèmes du vaisseau 1, 2, 3. L'accélération avec L-Shift. Bon. Ok.
Le système GEC, mais j'ai pas de. Où c'est qu'elle. Où est la station spatiale? Bon. Transmission. S'il te plaît, identifie-toi. Je suis. Tu n'es pas seul. Suis-le. La diffusion s'interrompt aussi étrangement qu'elle a commencé. La dernière partie du signal là, semble correspondre à une coordonnée planétaire. Saisir les coordonnées. OK. Arrivé dans 4 jours. Donc, bon. Ah. J'ai pas encore accès à la station spatiale. Que c'est triste. Espérons que ce n'est pas une planète trop dangereuse. Heureusement que j'avais un peu de tritium. Mais du moment que je vais me poser, je pourrais plus redécoller. Prendre du carburant de décollage. La source du signal. Ça semble être une autre planète toxique. Ok, je suis toujours en mode éveil, j'ai pas de mission secondaire pour les découvertes. Ok, c'est bien ça. Je suis sur la planète chair de cactus. Je pensais que c'était une planète toxique, moi. Puits empoisonné, riche. Fleurs abondantes, éparses, climat. C'est bien ce que je pensais. C'est une autre planète toxique. Données de navigation. Donc, si je regarde. Parole d'albumène. J'ai encore de la place, c'est bon. Ça, j'en ai pas d'utilité. Ça non plus. On verra plus tard. Ok. Donc, je suis limité au niveau de mon pack. Il me reste 2 emplacements. Le fascien, je ne pourrais pas faire grand-chose avec ça. Donc, je pourrais faire encore un peu de ferrite pure. Du dihydrogène. Non, ça ne servira pas grand-chose. Gel de survie, je peux faire une batterie à ions. Ah, intéressant. Ok. Plaque métallique. Ah, ben oui, une plaque métallique. Tiens, pourquoi pas. Voyons. Fabriquer. Plaque métallique. Et. Voilà.
On va s'en faire un autre. Bon. Voilà, carburant de décollage, c'est fait. Donc, je vais sauvegarder. Bon, ben, ça s'est quand même pas trop bien, trop mal passé. Donc, pour la suite, on va laisser la suite du vidéo pour voir localiser la source du signal. On va étudier la machine endommagée dans la prochaine vidéo. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.